Dans ce journal, la mort de Loulou Gasté, compositeur de chansons populaires, la sécurité en question en Corse, les affrontements en Tchétchénie, du cinéma et la sortie mercredi d'un nouveau Frankenstein sous les traits de Robert De Niro. Et puis nous fêterons les 50 ans du journal Le Monde, une nouvelle formule que nous découvrirons en compagnie de Jean-Marie Colombani, son directeur, en direct de la rédaction du Monde, avec le coup de crayon également dévastateur du célèbre Plantu, qui nous accompagne tout au long de ce journal. Pour commencer notre édition, hommage au compositeur Loulou Gasté, décédé ce matin à l'âge de 88 ans. Il était l'un des pères de la chanson populaire, « Ma cabane au Canada »,« Battling Joe »,« Feelings ». De son épouse Lynn Renault, Loulou Gasté disait « Elle est ma voix » et elle répondait « Il est ma musique ». Éric Perrin et Luc Bachofen. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Loulou, accompagnant à la guitare, celle pour qui il composa toute sa vie. C'est dans les années 30 qu'il commence sa carrière avec l'orchestre de Réventura, mais très vite, il devient l'un des compositeurs français les plus prolixes, avec notamment Battling Joe ou Luna Park pour Yves Montand. Il est l'artisan d'un nombre impressionnant de succès, Lynn Renault l'a toujours associé à sa réussite, et il est très rare qu'il chante lui-même en public. Par un beau matin de printemps, évidemment, évidemment, je l'ai rencontré simplement. Roi de la chanson populaire, évidemment. Ses compositions trottent dans toutes les têtes, démonstration. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine, eh bien c'est d'accord, je le prends. Certains airs font le tour du monde, alors bien sûr on essaye de le plagier. Écrite en 1956 pour les besoins d'un film, « Pour toi » va donner lieu à une incroyable bataille juridique. Pour toi, j'ai quitté ce que j'aimais. Reprise en anglais par Maurice Albert sous le titre « Feelings », cette chanson est un tube mondial. Ce n'est qu'en 87 qu'un tribunal américain rendra justice à Louis Gasté. Sur ses musiques, il y a un mot qui revient souvent, « amour ». Pour ses 75 ans, Lynn lui fait cadeau de cette chanson intitulée « Loulou ». Je t'aime, la da da di da da, je t'aime, la da da di da da, je t'aime.